J'ai décidé de faire une vidéo pour vous faire visiter mon atelier. Un atelier bien modeste, mais bon, c'est là où je travaille. Voilà, en premier, une huile sur toile. Je l'ai appelée une arlésienne d'expérience, parce que bon, elle est un peu âgée. J'ai bien aimé faire ce portrait. Voilà, c'est une huile sur toile. Là, vous avez la mésange bleue. C'est aussi une huile sur toile. Il n'est pas très grand. Là, c'est la jeune fille Renardo que j'ai fait l'an dernier aussi. L'an dernier, j'ai fait des portraits. J'avais envie de faire des portraits. Ça change un peu. Là, vous avez la bergère et le chevreau, inspiré de Manon des Sources. Là, alors là, c'est une huile sur bois, c'est les bouquets de lavande. Voilà. Ici, c'est la cueillette. C'est un grand tableau. C'est du bois, huile sur bois. Et en dessous aussi, c'est du bois. C'est la jument belle. Voilà. Mais alors, il est très grand. Très, très grand. Voilà. C'est vrai que dans une vieille ferme, c'est des tableaux qui iraient très bien. Là, vous avez la tente, je l'ai appelée, parce que c'est une arlésienne qui attend le gardien. Derrière, il y a des bouquets de saladelles. Voilà. Là, je vais me reculer parce que il est tellement grand, celui-là. Celui-là, c'est Fontaine de Vaucluse au Xe siècle, XIIe, avec Laure et Pétrarque. Voilà, Pétrarque qui lit des poèmes à Laure. Ça, c'est comme une suite, puisque c'est la Coulobre. C'est le monstre de Fontaine avec Laure et Pétrarque. La légende dit qu'il sortait la nuit faire peur à Laure. Bon, quand elle se promenait avec Pétrarque, donc, voilà. Ici, c'est les Arlésiennes au puits, en haut. Pareil, c'est sur bois, celui-là aussi. C'est de l'huile. Celui en bas aussi, c'est de l'huile sur bois. C'est Alaïs et Fanny qui transportent des paniers de fleurs. Des petites mireilles de Saint-Rémy. Là, vous avez l'étang, un petit tableau. C'est une peinture à l'huile sur toile. Là, je vais me reculer parce que sinon, je ne pourrais pas bien me prendre. Là, c'est... Voilà. L'enfant à la colombe, c'est un tableau qui a été primé en 2019 et qui a reçu la médaille d'or à Cannes. Et derrière, c'est le masque de Bono, du temps de mes grands-parents et de mes parents. Voilà. Ici, c'est les poussins. C'est toujours des toiles, hein, de l'huile, toujours de l'huile. Je peins qu'à l'huile. Là, c'est des petits bouquets de muguet et de pensée. Là, c'est toujours de la toile et de l'huile. Ben, c'est le Ventoux avec le feu de la Saint-Jean. Et là, c'est le retour de chasse, le chien et le faisan. Voilà, j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je n'ai pas trop l'habitude. Là, sur la table, c'est le chat et le loir. On ne voit pas trop bien, mais après, je le reprendrai. Je le mettrai sur un chevalet. Et là, il n'est pas sec, je ne peux pas le lever. Et celui-là, eh bien, il attend d'être peint. Je pense que je vais bientôt commencer ma saison de peinture. Voilà. Ah, j'ai oublié celui-là. La petite grand-mère avec la chèvre. Bon, c'est pas évident, il est très haut. Voilà, c'est une huile sur toile. Voilà, c'est une dame de Saint-Rémy avec sa chèvre qui transportait les petits sacs où il y avait des fois la farine, des fois le tricotage, quand on allait garder les chèvres. Voilà, eh bien, merci d'avoir visité mon atelier. À bientôt pour de nouveaux tableaux et peut-être pour une visite vraiment plus virtuelle, mais vraiment... Il faut venir, parce que les tableaux ne rendent mieux quand on les voit. Ils sont plus beaux en vérité qu'en photo ou en vidéo. Au revoir.